Bonjour à tous et bienvenue. L'actu du jour est la coupe de cheveux. Quelle coiffure favoriser en été? Maintenant que les températures se réchauffent, certaines personnes souhaitent adopter une nouvelle coupe de cheveux pour changer de style. Outre le wolf cut, voici quelques propositions pour garder une apparence soignée et être à la mode durant la belle saison. Quelle coupe de cheveux pour l'été? Afin d'être glamour durant la saison chaude, la frange bottleneck est à privilégier. Cette coupe de cheveux est la tendance dominante de la période estivale. Ce type de frange est idéal pour être à la mode car il s'accorde à toutes les morphologies de visage. Il a été appelé ainsi à cause de la forme de col de la bouteille qu'il crée. Certaines coiffures sont à favoriser pour être à la mode. La coupe de cheveux à pourvoir pour être chic et tendance en été est le carré court ou le baby bob. C'est l'une des coiffures qui revient en force depuis plusieurs années. En plus de flatter les visages longs, celle-ci peut être portée de différentes façons. L'ultra lisse étant moins populaire en cette période, le baby bob façon coiffé décoiffé ou wavy sont recommandés. De plus, des longueurs dégradées en bordure de la figure sont aussi à pourvoir. Cette coupe de cheveux apporte de la structure à la coiffure. Des chevelures lisses ou wavy ainsi que les longueurs raides peuvent être portées avec ce type de dégradé. Afin de retrouver l'effet des années 70, osez les franges pour accompagner les coupes longues. Coupe de cheveux, essayez le wet look. Le wet look est particulièrement présent dans les collections des coiffeurs. Au niveau des baby hair, sur l'ensemble de la chevelure ou en racine, celui-ci renforce le style affirmé et sophistiqué. De plus, cette coupe de cheveux apporte une touche de sensualité. C'était tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus de ce genre. Ciao ciao !